Je suis très contente, j'ai voté pour elle ainsi que toute ma famille. J'espère qu'elle va continuer à faire changer les choses comme elle l'a déjà fait lors de son premier mandat. J'espère qu'elle va faire ce qu'elle a promis. J'ai voté Aécio Neves. C'est une victoire pour Dilma Rousseff, mais dans un pays divisé. C'est une petite victoire qui n'est pas très représentative. Elle aurait aussi bien pu gagner que perdre, avec une différence vraiment mince. J'ai voté pour Dilma parce que je ne voulais pas voter pour Aécio. Il se focalise sur l'économie du Brésil. Mais l'économie ne peut pas être bonne si la population la plus pauvre ne suit pas. Je pense qu'il aurait gouverné plus pour la bourgeoisie du pays. Le pays n'avance pas, j'ai 48 ans et je n'ai jamais vu de changement. Les transports sont mauvais, la santé est mauvaise, la sécurité est mauvaise, les emplois et les salaires sont mauvais. C'est difficile de croire que les candidats ont de bonnes intentions pour le peuple.